Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite. C'est le 31e épisode, si j'ai tout bien suivi ce que j'ai fait. Alors, toujours pas assez de bois. Du bois, on en a encore là. Hop, voilà déjà. Et aussi encore ici. Petit moment de travail là, mais bon, je sais pas ce qu'ils foutent avec le bois, c'est incroyable quand même. Les gars, faites quoi? C'est toi, madame, tu nous demandes des choses. Bah, oui. Là, du coup, on sera vraiment bien protégés quand même. Parce que les bâtiments, les ennemis. Bah, il n'y a pas d'ennemis dans cette partie, mais. Les animaux sauvages, voilà. Les animaux sauvages ne passeront pas. Que je fasse tout le tour, juste les champs qui sont encore à l'extérieur. Rien ne m'empêche de faire d'autres bâtiments, j'en sais rien, parce que les champs, peut-être qu'il y a possibilité que je les étende plus tard. Donc non, cette partie-là, je vais à la limite pas faire grand-chose. Ou alors, faire un mur. Il viendrait comme ça, hop, juste un mur. Pourquoi pas? Je verrai ça. Concernant le reste, c'est bon. Je pourrais faire le tour. Je sais pas si ça sera assez grand ou pas. Après, la série va pas faire 500 000 épisodes non plus. Je pense qu'à un moment, je serai arrivé à un bon rythme de croisière et je dirais, ben voilà. Maintenant, on va attaquer les choses les plus difficiles avec la guerre. Enfin, la guerre, c'est pas vraiment la guerre, c'est des attaques de brigands. De ce que j'ai vu. Peut-être que je me trompe, peut-être que finalement il y aura la guerre. Bah, Marie, je l'adore, Marie. Elle commence un truc et finalement elle se barre faire autre chose. D'herbe, hein, à force de pas avoir le soleil et d'être piétiné par les animaux, ça va bien. Et à vous, vous faites toujours pas de bébé? Parce qu'un petit bébé, ça serait rigolo quand même. On aimerait bien un petit veau. Une velle, mais voilà, un bébé quoi. Et qui c'est qui va aller me l'apprivoiser, cette bestiole? L'élevage animaux, c'est peut-être ça aussi mon problème. Allez, ça bosse. Donc c'est ça, habillement, okay, très bien. Très très bien. Du coup, ce que j'ai mis à la cave en habillement, bah, je peux y enlever. Je sais pas où c'est que j'ai mis. Est-ce qu'il y en a vraiment? Je crois qu'il n'y a rien. Hein. Sérieux. De toute façon, il n'y en a pas. Sur les étagères, c'est clair et net, il n'y en a pas. Est-ce qu'ils en foutent au sol? Eh ben, j'ai plus de sol, moi. J'ai tout... l'espace, là. Conditions de température non remplies. Comment ça? Tu rigoles? 8 degrés, ça suffit. Ça va pas? Ouais, mais comment je fais pour faire tomber encore la température? Attends,
tu veux. 7, 8. Je veux bien faire tomber la température, mais... comment? Comment? Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas grave, on va dire. Alors, sans son ouf. Reste un à creuser, là. Allez-y. Non, pas ça, j'ai dit. Ça. Voilà. Pour l'instant, on va rester sur, sur ça. Parce que la clôture, je pourrais faire la clôture en calcaire, mais j'ai déjà du mal à faire les bâtiments. Là. Reste juste là à creuser, hein. Ça va déjà être l'heure du dodo. Oh, ça passe vite, hein. Ça passe très vite les journées. On a le temps de rien. On entend les gris-gris là. Je sais pas si vous les entendez bien. Qu'est-ce que c'est ça? Il est dégueulasse, quoi. Il pose tout comme ça, des gros sales. C'est nul. Non mais, enfin, t'étais pas obligé de venir creuser maintenant, hein. Après, ils creuseront comme ça. Voilà. Non mais, t'as fait ça à creuser d'abord. Oh là 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 là. Non mais, c'est l'heure du dodo. Allez vous coucher. Allez. Bonjour, et ben voilà, Marie va se retrouver... Elle est toute nue, voilà. Ça va que c'est l'été, hein, mais... Alors attends, c'est où la confection de vêtements? Parce que là, ça va devenir urgent. Vêtements d'hiver, bonnet, ouais, on va faire des vêtements d'été, hein, quand même. On voulait pas en faire, mais il en faut. Hein. Un chapeau de paille. Hop, voilà. Allez, boulot. Hop, hop, hop. Niveau recherche, je sais pas si on est pas mal. On va faire une pause. Ouais. Niveau recherche, on est pas si mal. Ce qui va être important, là, c'est le reste. C'est quoi, ça? Établi de maçon. Alors, ça, c'est pareil. Non, c'est peut-être... Non, je... Donne de Dieu. Pourquoi je peux pas... Ouais, j'ai pas demandé de le mettre ailleurs, quoi. Non. Ah, oh, punaise, je vais en mettre de partout. Annule. Non. Mais quel bec acide. Oui, bah oui, c'est vachement pratique, là, forcément. Non, on va le mettre ici. Hop là, voilà. Alors, il y a toujours un loup qui est enfermé là. Sauvage, ouais. Est-ce que je peux pas... Hein? Qu'il est enfermé. Ah! Voilà. Donc ça, il faut y virer. C'était quoi? Habillement et guerre. Voilà, j'en veux plus ici. De toute façon, théoriquement, ça devrait... Ouais. Bon,
ça fait des vêtements, parce que Marie est toute nue, hein. On dit rien parce que c'est l'été, mais il reste 2 jours et on passe à l'automne. Donc il va falloir qu'elle soit un peu couverte à un moment. Très bien. C'est quoi ça? Graines de carottes, d'accord. Donc j'arrive à avoir des graines de carottes quand même. Avec les carottes. Et pourquoi avec les choux, j'ai l'impression que ça marche pas? C'est fou, non? Ouais. Ah, ça y est, je peux mettre la terre et remettre un grillage. Ouais, je peux pas parce qu'ils ont pas mis la terre. Ah ben dessous c'est de la terre, hein, donc on peut y aller, on peut remplir. Voilà, alors il manque encore du calcaire. Où c'est que je vais en trouver? Il y en a là du calcaire, les gars. Ah non, c'est de l'argent. C'est tout de l'argent, ça. Ah, ça va être tout de l'argent, ça. Ça c'est de l'argent aussi. Ça c'est plein. Alors attends, est-ce que j'ai de la montagne à grignoter? Oui, sauf que le cassine que je suis. Ça, si je tape ça, je vais avoir de la terre. Ouais. Là, je vais avoir que de la terre. Ah, les herbes. Attends, ça c'est du calcaire. Attends. Pourquoi je... Ah, d'accord. Bon, ça va. Il n'y a pas de risque du coup. Hop, et hop. Ensuite... Boucher là, c'est bon, je peux mettre ma clôture. Ouais. Voilà. Ensuite, quand ils auront fait là, bah, je mettrai une clôture pour séparer. Ainsi que je mette pour la nourriture pour animaux. Ah, c'est bien. Ah, mais quand ils veulent bosser correctement, ils le font bien. Hein. C'est juste que des fois, bah, ils ont pas envie. Voilà, porte renforcée. Alors, je vais dire celle-là. Par défaut, je sais pas ce que c'est. C'est marrant, ils me disent par défaut. Oui, par défaut, c'est-à-dire. Je suppose qu'elle est ouverte que pour les colons, par défaut. On va dire ça comme ça. Les vaches qui font toujours pas de bébé, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on leur montre comment on fait? Donc ici, j'aimerais bien qu'il y ait des ânes. Est-ce qu'on a quelque chose? Aucune bestiole à apprivoiser là, ici. Chasser un peu, chasser, comme ça, pour l'instant, non, domestique, on a toujours les chèvres, les vaches, en plus, ah, ça prévoit, non, c'est pas ça que je veux voir. Bois, bah, ça commence à picoler hein, depuis qu'on fait de la bière. Enfin, de l'hydromel, exactement, parce que je crois que j'ai toujours pas d'orge. Ça, c'est les choux. C'est les betteraves. Carottes. Où c'est que j'ai mis l'orge? Ouais, là. Et j'ai toujours pas d'orge à replanter. Ça, c'est embêtant.
Parce que je peux pas faire de bière sans orge. C'est embêtant. S'il vous plaît, donnez-moi de l'orge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pièges. Ça m'intéresse moyennement, surtout qu'ils peuvent se faire mal. Bouclier, traîner violent. On va mettre un bouclier, ils seront contents, ça fait classe. C'est beau, dis donc. Oh là là. Du coup, je passe par là pour tout ça. J'avais oublié comment j'avais organisé le truc. Alors, les choux... Ouais, les choux, j'en ai de moins en moins au final. Parce que moi, j'ai pas la sensation qu'ils me donnent les graines. Le lin, si on veut, tu en voilà. Ah, Marie au boulot. Cette nuit, on a vu que c'était Rodgar qui dormait pas et qui préférait travailler. Ma foi. Je peux pas les empêcher de bosser non plus. Hein. Ils sont libres, ils sont presque. Avancer un petit peu. Du coup, je vous dis à la suite au prochain épisode. Des bisous tout le monde.